voici au Crêpe de Boulouris pour préparer les championnats d'Europe. Donc on est arrivé il y a 2 jours. On est au top pour s'entraîner ici. On a de la relance. C'est Eric qui est notre entraîneur en équipe de France. Et qui est notre entraîneur du PS. Arrivé à l'aéroport de Split. Tout le monde est au bout du rouleau. Voici donc enfin arrivé à l'hôtel de Split et voici la chambre. On commence par de parfaites conditions pour préparer ses horaires. Premier jour d'entraînement. Le contrôle raquette, super important. Tous les joueurs, parce qu'on peut se faire scratcher à la fin de match. J'ai ma raquette qui passe pour le contrôle. On change la plaque et on a recollé. Voilà, les phases de poule viennent de passer. Pas mécontent de moi parce que je finis premier de poule. Je gagne mes 2 simples 3-0. Là, je suis allé à fond, je suis sur tous les points. Demain, je joue à 16h. On va pouvoir récupérer demain matin, on va pouvoir dormir un peu pour attaquer ces 8e et pourquoi pas ces quarts de finale dans les meilleures conditions possibles. En 8e de finale, je suis bien joué sur un Allemand qui m'avait déjà battu auparavant, mais je suis bien déboîté. Je perds un quart de finale sur le fameux Espagnol que je redoutais. Je n'ai pas grand chose à me reprocher. Aujourd'hui, préparation du par équipe de demain, où on jouera avec Manu et Bastien l'Espagne demain matin et Israël demain soir. Avec pour le titre, tout simplement de gagner les 2 matchs. Nous dirigeons vers la salle d'échauffement, c'est notre seul terme d'entraînement de la journée puisque, comme on est fort, on a gagné hier, on évite les quarts de finale et on est en demi-finale directement demain matin. Donc petit entraînement cet après-midi avec Bastien Gonzet et Michel Chalère. Dernière journée des championnats d'Europe, on est le quart de demi-finale contre le Danemark. J'ai pris sur la patate. J'espère qu'on va aller jusqu'au bout, qu'on va pas rentrer bredouille de ces Europes. Ça ferait vraiment mal. C'est bien, c'est super, allez, allez. Je viens plus vite pour le stand, parce que je perds un quart de finale. Je ne pouvais pas faire plus parce que c'était un très 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 bon joueur. Bilan mitigé pour le par équipe, on n'est pas arrivé à aller chercher la demi-finale. Et moi tout particulièrement vu que je perds mes 2 matchs à la belle. Mais voilà, c'est bien ressaisi. J'espère que le tennis de table vous a plu, que le tennis de table en sport encore plus.